Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Resident Evil 4, on va faire le chapitre 2-2, donc la suite du chapitre 2-1, non mais c'est vrai hein, je t'assure, voilà donc on en était là, donc on regarde un peu ce qu'on a dans notre inventaire, on a soit, ouais donc on avait dit 79, on avait dit 100, ouais oh, c'est bizarre j'en ai plus du coup alors, j'en ai 129 quoi, enfin bon, c'est pas très grave, ouais, donc on récupère la plante rouge et ce qui va avec. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, des balles de pistolet, magnifique. Hop, on ouvre, voilà, ça a été déverrouillé, tout ça. Voilà, donc du coup, normalement, il n'y a plus les chiens. Ok, donc c'est bon, on est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'ils viennent. Attends, déjà, toi, tu vas rester derrière. Ça serait sympa, merci. Alors on va attendre que les messieurs viennent. Allez, venez, venez. C'est gratuit. Voilà. Donc du coup... Putain, j'ai eu chaud. Et merde, putain, mais c'est quoi ce lion qui s'arrête en 2 secondes chrono, là? Vas-y, va te faire foutre. Mais t'es sérieux? Putain, j'ai à peine de commencer le jeu, c'est bon, vas-y, ça me casse déjà les couilles. Putain, j'y crois pas, la putain de ta race. En espérant que monsieur ne se transforme pas. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça c'est bien. Ça c'est cool ça. Ouais, donc on récupère ça. Ouais, ça sert à rien qu'on aille voir les deux autres là. Ok, donc toi tu viens avec moi. Alors, ce qu'on va faire. On va récupérer ce qu'il y a là quand même. Important. Voilà. Ça moi c'est fait. Voilà, voilà. Bon. On va aller... Ouais, ouais, on va aller... Bon, on va retourner en arrière, tout simplement. On regarde quand même là-haut, parce qu'il y a des trucs. Voilà. Un petit spinel, ça fait toujours plaisir. Et attention, qu'est-ce qu'il y a ici? Des balles... Non, de l'argent. Ok, bah pas de soucis. Donc c'est parti, on descend en bas. Ok, donc du coup... On va voir vite le marchand, on sait jamais... Ok, ok, quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, acheter. Ouais, donc il y a pistolet, tout ça. Alors, est-ce qu'on prend la TMP maintenant? Bah, déjà, on va. Voilà, déjà, on va vendre. Voilà, ce qu'on avait dit, on va vendre le fusil à pompe. Donc, les balles avec, bien entendu. Voilà. Fusil à pompe, t'es où? Voilà, donc, fusil à pompe. On le vend. On va vendre les spinels. Ça, faut vraiment qu'on y combine. Ok, donc jusque-là, tout va bien. Alors après, est-ce qu'on achète, là? Putain, il y a le Red 9, là. Ouais, je suis pas sûr qu'il serve vraiment. Putain, c'est un pistolet, de toute façon, donc... Ouais, mais après, il y en a un autre à la suite, donc ouais. On verra bien. Alors, fusil à pompe. Fusil... Ouais, le fusil-là est pourri, comme c'est pas permis. Donc, on va prendre la TMP. Je pense qu'on va la prendre. Je sais pas, bah attends on la prend. On voit ce que ça donne, ouais. Ça prend pas vraiment de place, ouais. Alors je pense que ça peut être pas mal de la prendre maintenant. On va peut-être ranger un petit peu. Voilà. Alors on se fait pas non plus trop chier, hein, on a autre chose à foutre. Voilà, donc on va voir ce qu'on peut optimiser. On peut optimiser ça. Après est-ce qu'on optimise la puissance? Ouais, de toute façon, hein, on a les sous. À la limite, on va peut-être optimiser la cadence de tir, peut-être. Ouais, voilà. Puis après, le reste, on s'en fout. Au niveau de la TMP, bon, on va améliorer la puissance. Hein. Voilà. Et puis après, le reste, on s'en fout aussi. Bon, alors. Ça, c'est fait. Ce qu'on va faire, on va continuer, voilà. Donc, ça va pour l'instant jusqu'ici. On a pas mal de sous, pas mal de balles aussi, de pistolets. Et ça c'est pas mal, franchement, petit à petit on y arrive bien. Alors est-ce qu'il va se faire tuer? Non, c'est bon, pas de soucis. Est-ce qu'il y a quelque chose? Bien entendu, il n'y a rien du tout. Voilà, je sais plus, donc du coup j'irai essayer quand même. Au cas où, on sait jamais, voilà, donc du coup on va aller là-haut. Et par contre là-haut, oui, c'est revenu. Donc voilà, donc il faut juste faire attention à elle.
Voilà, nickel. Hop là. Donc là, on récupère les balles. Enfin, s'il y en a. Non, il n'y en a pas. Dommage. Voilà, donc là, on récupère le spinel. Et du coup, on... Bon, on va aller dehors. Et je sais pas si je vais récupérer ou pas la grenade. Ah, je pense que je sais ce que je vais faire. Regardez, je vais ouvrir. Puis, je vais aller tout droit. Voilà. Je vais aller tout droit là-bas. Un peu dans le noir, mais bon, ça, c'est pas grave. On va monter vite là-haut. Bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne décision ce que je fais. À la limite, ah mais non, je peux même pas passer par là. Bon, c'est pas très grave. Putain, en espérant que je fasse pas de la merde. Quoi, il y a plus la grenade? Putain, je suis venu ici pour rien. Mais voilà, bien entendu, toi t'es tellement lente que... Pff, oh là 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 là. Putain, t'as le temps de mourir mais tellement de fois. Et oh, mais tu restes là toi. Putain, et l'autre il a vraiment cru qu'il allait... Mais oui, voilà. Non mais bon, tout à fait. Toi, tu vas en plein sur l'ennemi, toi. Ah, t'es con, mais hein, un truc de ouf, mon gars. Ouais, c'est bon, tu m'as saoulé, mon gars. Tu m'as cassé les couilles, là. Franchement, tu me saoules. Ah, là, tu moi, voilà. T'es content. Il est content. Voilà. Fils de pute. Vas-y, tu me casses les couilles, mon gars. Tu me casses les couilles. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Il n'y a personne, puis là, bam, il y a quelqu'un comme ça. Nique ta mère. T'es sérieux là? Mais t'es sérieux là? Tu sais que tu m'as touché, espèce d'enfoiré. Je t'ai même pas touché. Putain, j'y crois pas. Le mec il me tire à côté, il me touche et moi je tire à côté. Non, bah non, bah non. Voilà, t'es content, voilà, vas-y viens. Voilà, il est content, il est venu, voilà, il est content. Et viens. Ouais, content. Ah lui il brûle pas par contre, hein. Putain, tête de con. Hey, XXX. Voilà, ça c'est bon. Toi, tu fais pas chier, mon gars. Putain, bah si, tu fais chier, hein, jusqu'au bout. Hein. Unis jusqu'au bout, hein, avec toi. Hein. Bon, j'ai pas de sniper, malheureusement. Bon, ce qu'on va faire... Oh, putain, tu viens d'où, toi? Eh, t'es pas mort. Putain, mais j'y crois pas. Non, mais c'est un truc de ouf, hein. Soit c'est une nouvelle, soit elle est toujours pas morte, quoi. Et dans ce cas, c'est un peu chaud patate, quoi. Allez, tape. Putain, voilà. Allez. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Putain, mais des fois, il y a des zombies qui me cassent les steaks, là. Allez, casse-toi. Putain, j'ai obligé de reprendre de la vie, mais non. Sérieux, quoi. Vas-y, tu vas la prendre, cette vie? Alors, toi, par contre. Tu me saoules. Bam, casse-toi. Allez, tais-toi, mon petit. Putain, je vois vraiment rien, là, avec ce noir, là. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Ça se trouve, il y a quelqu'un et tout, mais je peux rien faire. Et tape, tape, tape. Bim, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, mais non, mon petit. Bah, tu vas rien faire, tout simplement. Bon. Sur l'inverse, qu'on va faire ça. Tu me veux, toi? Allez, casse-toi. Bim, allez, voilà, ça c'est bon, ça. Allez, tais-toi. Tiens, bim, voilà, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Bah, tu vas rien faire contre moi. Et puis voilà. Comme ça, tout le monde est content. Et merde. Bon, tu vas pas me saouler longtemps, hein, t'inquiète. Ça va être simple, je vais faire ça. Voilà, on va pas se faire chier. On va pas se mentir, c'est beaucoup plus simple comme ça. Alors juste, tu pouvais venir avec moi, toi. Merci. 50 munitions de TMP, mais c'est magnifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ça, quand même. Y'a personne derrière moi? Non, c'est bon. Eh bah voilà, c'est déjà mieux, hein. Là, on s'en sort déjà mieux. Il suffit de jouer stratégique et c'est bon. Alors, par contre, il va falloir faire gaffe. Ah, c'est peut-être elle que j'ai oublié la dernière fois. C'est peut-être elle. Effectivement. Enfin bon, ouais, c'est pas très grave. Hein. Ok, on récupère les sous. Alors, il faut faire attention.
On va aller là. Oh putain de ta. Putain, toi t'as eu chaud mon gars. J'ai failli me faire défoncer mon gars. Oh là 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 là. Je parie qu'il y a quelqu'un derrière moi, je sais pas pourquoi. Non, même pas. Oh mais c'est magique. Oh, la première fois qu'il y ait personne derrière moi quoi. Voyons si quelqu'un. Ah oui, il y a quelqu'un. Vas-y, viens là. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah tu vas rien faire mon Dane. Ah là c'est magnifique. Ils viennent un par un tranquille. C'est parfait. Oui oui oh, bah calmez-vous hein. Je suis pas non plus une machine hein. Non non. Tire tire tire. Putain de ta mère. Mais t'es long à recharger Léon. T'es long. T'es long. Putain. Mais t'es sérieux là? Et le coup de couteau comme ça, tu le prends pas dans ta putain de gueule de salope? Hein connasse de. Vas-y oh, tu vas me saouler longtemps. Casse-toi. Casse-toi. Voilà. Aussi oh, suis dans où il me. Oh putain mais il a failli me shooter ce fils de putain. Et mais j'y crois pas mais putain il. Eh mais aucune gêne hein. Pas de soucis, il balance des trucs dans la gueule, aucune gêne, ils s'en battent les couilles. Les mecs y'a pas de soucis hein. T'es en train de faire quelque chose, mais non ils s'en foutent hein, ils attendent pas. Putain mais j'y crois pas, c'est vraiment des enculés. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Qu'est-ce que tu vas faire hein? Espèce d'enfoiré. Tiens. Allez, faut être plus rapide que moi mon petit. Hop là. On y va tout doucement. Voilà donc, on récupère ce qu'il y a dedans. Les munitions de pistolet, c'est parfait. On récupère tout ce qu'il y a là. On se retourne parce qu'il y a quelqu'un. Non, il y a personne. Bah, c'est nickel. Enfin, si, il y a quelqu'un, mais on a le temps. Voilà. Ah non, c'était juste du feu, tiens. Bah, tu vois, comme quoi je me suis trompé, il y a personne. C'est même bizarre qu'il y ait personne. Ouais, l'autre, il a cramé peut-être, mais bon, les autres sont pas descendus, quoi. Bon, bah, ok. Alors, on va faire vite parce que il va nous tirer dessus, ce PD. Allez bim, qu'est-ce que j'en étais sûr. Alors ce qu'on va faire, on va. D'accord, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un truc loup par terre, mais non. Enfin un piège à loup. Alors ce qu'on va faire, on va peut-être les attendre quand même. Non ils viennent pas, non ils sont pas assez intelligents pour ça. Ok allez, cassez-vous, merci. Bon bah c'est génial ça. Enfin, on va peut-être oui, on va attendre, voilà, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que lui, on va lui défoncer la gueule. Et on va attendre que les autres viennent. Allez, vas-y, viens, mon petit. Putain, l'autre, il va être derrière moi, j'en suis sûr. Non, c'est bon. Allez, casse-toi. Allez, on peut y arriver, vite, vite. C'est bon, tu fais le triathlon, y'a pas de soucis. Y'a personne? Regarde. Putain, il a failli me tirer dessus, l'enculé. Ah non mais c'est elle. L'autre il est mort tu vas me dire. Casse-toi s'il te plaît. Mais c'est génial l'autre il est mort quoi. Et lui aussi. Putain mais il y a tout le monde qui meurt. Elle m'a dit mais c'est oh. J'ai de la chance aujourd'hui ou bien là. Allez toi viens avec moi. Et c'est bon je m'en fous de l'animation. Voilà elle sort d'une poubelle génial. C'est bon t'as déjà vu ça dans ta vie non? Alors du coup on saute en bas. On va faire attention à ça quand même. Hop on récupère les sous-sous. Putain, tu sais que tu fais la foule, toi. Hein. T'arrives d'un coup sur moi comme ça. Ok, donc du coup. Normalement, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Je réfléchis. Normalement, ça devrait le faire. Putain, attends. Voilà. Est-ce qu'on a oublié un truc? C'est possible. Mais on n'a pas l'air de l'avoir oublié. On a récupéré ce qu'il y a là-bas. Putain, c'est magnifique, dis donc. Et bah voilà, on a tout récupéré. Ah mais ça va être la fin du chapitre. Ah ouais. Bon bah c'est pas grave. Ok bah c'est génial. Voilà donc là ça va être la fin du chapitre. Au moins il aura pas duré trop longtemps, ça passe. Il y aura une trentaine de minutes je pense. Parce qu'il reste quand même un petit truc, une petite étape à faire, mais bon normalement ça devrait être pas grand chose. Ce qu'on va faire, ouais voilà. Oh putain on va faire doucement. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc du coup elle va nous ouvrir la porte. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir le marchand. On va lui acheter quelques petites optimisations. Et puis on va bah, par la suite bah, on va faire ce qu'on va faire hein, puis voilà. Puis après on finira le chapitre tout simplement. Alors qu'est-ce que tu veux mon petit? Allez ouvre-moi ça. Une fois que je t'ai ouvert. Enfin
fois que tu m'as ouvert ça, je t'achète des trucs, mais qu'est-ce que je vais t'acheter? Bah rien du tout, je vais juste optimiser quelque chose. Donc la contenance de cette merde, ça nous fera gagner 11 balles. TMP, ça va nous faire gagner 50 balles, ce qui est plutôt pas mal, ça c'est sûr. Voilà, donc toi... Ok, ouais, d'accord. Ok, bon alors, ce qu'on va faire... On va voir s'il y a des trucs à vendre. On a toujours pas combiné les autres trucs, là. Enfin, ça, on a toujours pas combiné ça. Mais on va vite le faire, au moins ça sera fait. Voilà. Hop, combiné, ça c'est fait. Ça, dans le prochain épisode, on pourra le vendre. Et puis voilà. Donc du coup, on va vite faire la maison. Donc toi, je m'en fous. Voilà, on va vite courir dans la maison. Est-ce que bon, ils sont vénères un peu, tu vois. Bon, pas qu'un peu, hein, mais ils sont plutôt pas mal vénères. Voilà, donc, fais attention. Hop, on pousse ça. Comme ça, au moins, ça nous protège un minimum. Et ce qu'on va faire, on va récupérer la plante jaune, la plante rouge et pourquoi pas aussi une plante verte. Attends, juste avant, on va faire ça avant. C'est vrai que j'ai pas trop envie de me faire envahir maintenant. Je préfère attendre 2 secondes. Voilà, donc je les laisse pas rentrer tout de suite, tout de suite. Ça me laisse le temps de me préparer. Donc du coup, on récupère la plante rouge. Voilà. Et on va monter à l'étage, tout simplement. On va monter et puis on va tuer les ennemis en haut. Ça sera un peu mieux. Attends, juste, tu pouvais, voilà, tu pouvais avoir la grenade, la plante verte, l'autre grenade et après, bah, c'est tout. Ah si, la grenade ici. Ok. C'est parce qu'il me semblait qu'il y avait 3 grenades. Mais je savais plus où. Voilà, donc du coup. Ils ont le démon. Vas-y, venez, venez. Ils ont le démon, quoi. Ah merde, ils peuvent me taper, c'est dégueulasse. Oh putain, merde, qu'est-ce qu'il fait? Ok, on se calme, mon gars, on se calme. Ok, bim, tu m'as pas eu. Tire-toi. Merci beaucoup. Putain. En espérant qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre, c'est bon. Pas d'où ils viennent, mais... Ok, ils viennent derrière. Mais non, même pas. Putain, il vient d'où? Mais vas-y, sérieux, je vais tirer dessus, là. Putain, ça m'énerve, ce jeu. Putain, j'aime pas ça, moi. Ouh, ça, c'est bon. Parfait pour ça. Allez, casse-toi. Bim. Les deux en même temps, c'est bon, ça. On prend le pistolet, on va reprendre de la vie. Parce que là, clairement, on n'en a plus. Voilà, ça va nous faire gagner un peu de points de vie en plus. On va attendre un petit peu. Et pim. On va le shooter. Voilà, on arrive à tuer les deux en même temps. C'est plutôt pas mal. Enfin, pas en même temps, mais... Ouh, mais putain, j'ai eu chaud, là. Hein. J'ai vraiment eu très très chaud. Non, non. Putain, t'es sérieux, là? Oh, sérieux, mais j'ai jamais vu autant de... Dès le début, comme ça, autant de machins, là. Putain, généralement, il y en a 4-5, mais au fil du temps, quoi. Pas tout en même temps. C'est un peu de ouf, hein. J'espère qu'il y en aura plus, après, du coup. Ça sera bénéfique pour moi. Ok. Sinon, le mieux, hein, c'est qu'il y en ait deux en même temps, que c'est au moins, ou même plus. Même si on a plus, c'est même beaucoup mieux. C'est pas sérieux, là. Oh, j'ai eu peur, hein. Je me suis dit, merde. Merci pour les balles. Ah non, c'est une grenade, carrément. Le mec m'offre une grenade, quoi. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Ouais, on va lancer ça. Ça va faire un petit carnage. Bim! Nickel. Au moins, c'est parfait. Allez, boum, on va utiliser la grenade. Putain, franchement, j'ai bien attaqué, là. Je gère. Allez, casse-toi. Oh là, ça, on a plus de 200 munitions. On est bien. Ok, heureusement que j'ai une réaction. Putain, mais c'est ça encore? Mais j'ai jamais vu autant de têtes. Ouah là là là, là j'ai eu chaud. Oh. Merde, mais le con, il retire dessus, quoi. Vas-y, casse-toi. Oui. Merde, recule. Putain, je suis un grand malade. Quoi? Putain, tu peux pas m'aider, quoi. Oh là 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 là, vite, la grenade. Non, pas la grenade, on va mettre ça. Vite. Voilà, ça c'est pas mal. Putain, mais encore? Eh, mais c'est pas que... Bon, j'ai l'impression que vous foutez de ma gueule, mais un petit peu, quoi. Il y en a eu combien, là? Bah non, ça va pas, mon gars. Je viens de me faire charcuter la gueule. Bien sûr que non, ça va pas. Mais oui, voilà, c'est ça, mais oui. Putain.
Putain, enfin. Enfin. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. Continue. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Oh, truc de ouf, mon gars. Oh là là là. Truc de ouf, non? Franchement. On a terminé en mode tranquillou. On va sauvegarder. Franchement, c'était nickel. J'avais oublié que c'était la fin du chapitre. J'ai pas parlé, du coup. J'étais concentré. Ah ouais, non, mais j'en pouvais plus. Oh, je peux arrêter de crever. Je suis mort au moins 3 ou 4 fois. 3, ouais, 3 ou 4. Mais pour des conneries, en plus. Hein. Voilà. Et donc, du coup, on va sauvegarder. On va sauvegarder, on va sauvegarder. Et donc, du coup... donc 2-2, ouais voilà, donc on a sauvegardé. Donc bah j'espère que ça vous aura plu. Donc vous voyez hein, j'ai vraiment utilisé pas beaucoup de munitions. Je suis très très content. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. On a pas mal de vie donc c'est pas mal. Et puis voilà, donc du coup bah j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis voilà, donc du coup bah je vous dis une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, ciao.